Well, 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 we are on Tuesday, 27 October from here. 220, it's about 30 past 20. Il y a quelqu'un qui parle anglais dans la salle, non? Non, c'est juste pour demander comme ça, parce que demain c'est le jour du canard. Alors, je sais pas ce qui va nous pondre le canard, coin, coin, ça peut être sympa. Alors voilà, j'ai des bouquins. Hein. Tout le monde sait que j'ai pas de pognon. Systématiquement, je tombe sur les répondeurs. Les mecs. Et les nanas, vous êtes pas sympas. Bon, les gonzesses, vous pouvez m'appeler. 06 35 17, en espérant que Bouygues Télécom me coupe pas, parce que j'ai pas payé. Ah. Ou alors le 06 02 3 4 95 13, ces nouveaux techniques que je vous raconterai. Il y a donc de la lecture. Là, il y a ici c'est sympa, De Vos. Raymond De Vos m'a tiré à venir. Alors ça c'est un collector. C'est Raymond De Vos, c'est la ville de fou, la ville où tout le monde court. Et à un moment dans la ville, il est à côté d'un banquier, Raymond Devos, si c'est pas que c'est un banquier. Et à un moment, il dit, tiens, il y en a un qui est tout seul là-bas et qui marche. Alors, oui, mais il a pas l'air d'être suivi, il est tout seul. Donc le mec, il fait une marche de protestation parce qu'il en a marre de tous les fous qui courent. Et alors, il dit, bah, c'est logique. Comme tous ceux qui était derrière lui court, bah il est dépassé. Voilà, voilà. Comme dit Dieudo, faut rigoler, c'est tout ce qui nous reste. On est à l'aube d'un bank crack. J'explique pourquoi. Alors, avant vendre, Pekka Immanen, l'éthique hacker, avec la préface de... Donc ça a été écrit par Linus Torvald, préface de Linus Torvald. Et ça parle de social engineering, l'art de l'information. C'est un bouquin, on apprend... Ça parle du principe que les personnes veulent toujours bien faire, veulent rendre service... Et donc donne aisément une information qui parfois, si elle tombe dans les pattes d'un expert. Alors pour information, Kevin Mitnick, c'était un hacker américain. On disait de lui qu'il était plus dangereux avec un simple téléphone portable qu'une armée entière. Alors c'était juste pour vous dire que après Kevin Mitnick, il y a eu Philippe Stoker. Je ne me sépare jamais de mon téléphone portable. Là. Il est connu. Alors cet après-midi, j'étais dans un débit de tabac. Faites gaffe. Sécurité informatique. J'ai tapé mon code au-dessus. Caméra de vidéosurveillance, manque de bol. En haut, Google's watching you. Il y avait le webmaster. The googleiswatchingyou.com. I'm aboard, I'm Philippe Stock aboard webmaster from googleiswatchingyou.com. End of. Ah, ça c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. Et alors, ici. Je tape mon code, hop là, j'arrive à le faire avec une main, hop là, j'arrive à la session. Et alors là, si j'appuie sur un bouton, aïe 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 aïe. Je suis un expert. End of.